Bienvenue sur Des Bêtiseurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelle est la différence entre migrants et immigrés. D'après vous, quelle est la différence entre migrants et immigrés? Avouez que ce n'est pas clair pour vous. Il est vrai qu'on s'y perd devant les mots « migrant », « immigré », « réfugié », « immigrant ». Rappelons, tout d'abord, que l'immigration est l'action de se rendre dans un pays dont on ne possède pas la nationalité en ayant pour objectif de s'y installer. L'immigration concerne donc des personnes qui se déplacent vers un autre pays ou une autre région afin d'améliorer leurs conditions de vie et leurs perspectives d'avenir. Bon, quelle est la différence entre migrants et immigrés? Commençons par le terme migrant. Observez cette situation. Déby souhaite échapper à la guerre en Libye. Son objectif est de s'installer en France. Du coup, il quitte la Libye et après une traversée agitée de la Méditerranée, il arrive aux côtes italiennes. La marine italienne l'interpelle et le place dans un centre de rétention. Du coup, c'est quoi un migrant? Sachez donc que Déby est ce qu'on appelle un migrant. Un migrant est une personne qui est en train d'immigrer ou qui vient d'immigrer. On dit que le migrant est quelqu'un qui est en train d'immigrer, car il a déjà quitté son pays, mais il n'est pas encore arrivé dans le pays où il souhaite s'installer. Ainsi, tant que Déby n'est pas arrivé à sa destination finale, la France, le processus d'immigration n'est pas achevé. Déby est donc un migrant. Enfin, c'est quoi un immigré? Imaginons que Déby s'enfuit du centre de rétention en Italie et parvient à atteindre sa destination finale, la France. Déby se fait héberger à Paris, et bien que sans papier, il travaille dans un restaurant en face du ministère de l'Intérieur. Déby devient alors un immigré. Un immigré est une personne établie dans un pays par voie d'immigration. Cela veut dire qu'un immigré est une personne qui a quitté son pays d'origine et qui est parvenue à rentrer dans le pays où elle souhaitait s'y installer pour avoir un meilleur cadre de vie et un meilleur avenir. Dans ce cas, le processus d'immigration est achevé. Déby est donc un immigré. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. Voilà tout. À bientôt sur Des Bêtiseurs.